Bon, voilà, après le petit entretien fait, voici ce que ça donne. Il est vachement plus propre au-dessus. Un résultat plutôt satisfaisant. Non, toi, tu vas tenir, connard. Il n'ira pas plus loin. Et maintenant, le petit desktop. Nettoyage tambour. Alors attention à la mettre au moment de la prise d'eau, pas avant. Voilà, on ne peut pas modifier même les orages. Vous attendez parce que, comme d'habitude, quand une machine se met en route, elle vidange toujours. Alors, on le met au moment où l'eau arrive dans le bac. Toujours le secouer. Moi, je suis obligé d'attendre après le pré-lavage parce que là, c'est un pré-lavage qu'elle me fait avant le lavage. Alors, du coup, j'attends que le pré-lavage soit fini pour remettre celui-là.
prélavage fini, une fois qu'elle est mise en eau, on peut l'introduire. Toujours bien secouer le bidon. Ça veut dire que là, ça va pouvoir être bon. C'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Toujours rincer la bouteille. Pardon. Et voilà. Voilà. Et après, si besoin, rajouter en fait l'eau. Hop, je vais la mettre en pause. Rajouter l'eau manuellement jusqu'au joint. Voilà, je la remets en route. Et là, je vais rajouter l'eau jusqu'au joint. Bon visionnage.
Alors voilà, je la mets sur pause. Alors, normalement, bon, il faut que je rajoute une petite dose et voilà, un niveau d'eau parfait. Un nettoyage comme il faut. Je vais vous laisser visionner. Sur la gueule, connard. C'est bon, voilà. Alors, ce que je... ça doit être nickel, c'est bon. Bon visionnage. C'est bon.
La suite à la fin du lavage, début du rinçage, ou plutôt au dernier rinçage. À tout à l'heure.